La MIF, avant de commencer l'épisode, venez nous suivre sur Instagram, il y a de l'exclu dessus. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur l'épisode. Merci les amis. Crois-moi Hassan, tu vois, je vais te salir. C'est juste pour parler de ta sœur. De quoi qu'elle se fait serrer par quelqu'un du quartier? C'est ce fils de pute de Hassan. Tu vois, qui là, la sœur Ayus? Elle a fait un guet-apens à mon frère, en gros, avec l'équipe de Becca. C'est l'équipe à Becca qui sont venus le choper. Ils l'ont mis dans une cave, ils l'ont ligoté, ils l'ont démonté. Quoi? Je suis avec Melo ce soir. Ça te dit, on s'attrape. Vas-y, casse-toi de là. C'est bon, tu peux venir. Vas-y, j'arrive. Je crois que c'est la sœur Ayus, là. C'est ici, hein. Je t'appelle tous les jours pour savoir si tu vas bien comme une conne. Et toi, t'es là avec des meufs? Tu me dégoûtes, Hassan. Et tes histoires avec Hassan, ça s'est réglé ou non? J'ai même plus envie qu'on parle de lui, tu vois. Bon retour à toi. Donc j'insisterai principalement sur le respect, Hassan. Donc le respect, c'est aussi bien les horaires, les consignes, d'accord? T'as une pépite entre les mains. Je peux te garantir que je peux le faire entrer dans un club pro. T'as une chance dans le football. Le train est déjà passé une fois. Faut faire en sorte qu'il repasse maintenant. Je suis à pied, coach. J'ai un sac qui était pour quelqu'un, là. Si tu veux, je te le laisse, il est pas venu. Mais il y a beaucoup plus. Vas-y. C'est qui, lui, qui vient de partir? Là-bas, là, c'est mon pote. Ton pote? Ouais. Ouais, moi je suis en trou de balle aussi. Comment ça? Mais frère, ce que t'as fait, je l'ai fait déjà. La semaine prochaine, tu l'as pas dit, c'est moi qui lui dis. Vas-y, vas-y. Tu prends un coup, t'as dit. Du coup, je viens pour la dernière livraison là. La dernière, comment ça la dernière? La dernière, après c'est bon, j'arrête. Gros, moi j'ai des projets pour toi. Tu prends le téléphone là. Ouais. Je te contacte dessus. Je te donne un endroit. Et on se donne rendez-vous au P. Vas-y, je réfléchirai. C'est la tête du réseau. Il se fait appeler State. C'est apparemment, c'est lui qui gère le terrain. Ok, donc c'est lui la cible. Arrête, prends tout, prends tout! Ah oui. Là, je vais le fumer, ce fils de pute. Ah, vous rappelez le braquage des Turcs là? Ouais, j'en sais rien. C'est Becca. Qui c'est qui l'a tué? C'est Becca qui l'a tué. Eh, moyen de mettre la musique ou pas là? Regarde sur l'ordinateur, là, c'est pas chez moi. Bonjour, Abbé, il est là ou pas? Bonjour, jeune homme. Non, il est pas là. Pourquoi? T'accuses un tir ou quoi? Je vais vous montrer la vidéo parce que de toute façon, je vais me faire fumer. C'est qui a tué Tolga? Mais moi aussi je sais qui a tué Tolga. J'étais chez lui moi, fallait juste répondre à mes appels. Tu faisais quoi chez Becca toi? Qu'est-ce que tu me parles de Becca? Moi je te parle de loup là. Bon, pas fou, ouais, c'est Becca qui a tué Tolga. Faut appeler Obi. Yeah, pas pour ton téléphone. J'ai même plus de téléphone. Pas pour ton téléphone. Et maintenant recule. Reculez où? Si je recule, je tombe, fils de pute. On a grandi ici, c'est ici que ça se termine. Saute maintenant. Oscar, arrête de chipoter et tue. C'est pas lui qui a tué Tolga! C'est qui alors? Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est lui où, ce fils de pute? Tu vas le fumer, ce fils de pute. Mais tu sais même pas il est où? Je m'en bats les couilles, y'a qui d'autre qui est au courant? Ton daron. Daron, comment ça mon daron? Eh toi tu nous as pité, fils de pute. Mais qui chuchote frère, vas-y, ferme ta gueule, vas-y. C'est toi qui a gunshot Tolga! Hassan, Marvin, on arrive sur les lieux, je vois Lou, je vois Becca, frère. Becca? Ouais, Becca, il était là, frère, voilà. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Il voulait le faire aussi, il prenait tout le monde pour des cons, ce bâtard de l'eau, là. Et bref, je vois mon daron avec un flingue, il le pointe devant mes yeux, frérot. Il pointe Becca? Il pointe... Non, Lou, il pointe Lou devant mes yeux, mon daron, il a fumé Lou, il lui a tiré une balle, frère. Mais comment, frère, c'est... Voilà, j'ai rien compris. Bah, rentre ta race, wesh. Ouvre la porte, frère. Vous êtes en train de parler de Lou là? Ouais. Il est pas mort les gars. Comment ça il est pas mort? Il vient de me dire que son daron l'avait fumé. Il est dans le coma? Ouais. Mon daron il l'a fumé devant mes yeux frère. Non non, à la chicha j'ai entendu son zin qui parlait frère. Il est pas mort, il est dans le coma. Dinguerie. Ouais. Tu vas faire quoi? Putain. Faut que j'aille voir mon daron là. Vas-y le frère. À chaque fois que j'arrive tout le monde se barre. Hein. Mais t'es sûr de ce que tu dis là? Bah oui. Certain? Non non, j'invente. Frère, tu dis tout le temps de la merde, toi aussi. Oh, allô. Ouais, je suis devant une tour là, je sais pas, c'est...
une tour blanche comme ça. T'es sûr que c'est là? Ouais, rue du Baron. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, une grande tour blanche, tu verras. Ok, ça marche. Merci. Vas-y, ça va. Ouais, plus, tiens. Oh, Hassan! Ça va, Hassan? Oh, ça. Tu fais quoi ici? Comment ça, je fais quoi ici? Je suis obligé de me déplacer, étant donné que quand je t'appelle, tu décroches pas. Bah écoute, je voulais pas te manquer de respect, coach, en pas décrochant, mais d'ailleurs, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes. Mais t'es sérieux ou quoi, Hassan? Ça fait 15 jours, je t'appelle, systématiquement, tu réponds pas. Je t'envoie des messages, tu réponds pas. Et tu me parles de respect, t'es sérieux ou quoi? Non, mais je savais, t'allais me parler de foot, de l'entraînement et tout, et là, t'as vu, j'avais pas été à ça. Trop de problèmes, comme je t'ai dit. Comment ça, trop de problèmes? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de déballer ma vie comme ça, mais. Il y a l'huissier qui est venu à la maison. On a des dettes, le frigo il est vide. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, coach. Hassan, je peux comprendre, mais à un moment donné, viens, parle, viens, on en discute, on essaie de trouver une solution ensemble. La porte de mon bureau, elle est systématiquement ouverte. C'est pas la première fois que tu me plantes, Hassan. C'est pas la première fois que tu me plantes. Regarde, j'ai été obligé carrément de me déplacer, de venir jusqu'en bas de chez toi, demander l'adresse carrément pour te trouver. J'arrive ici, tu me dis quoi? Ouais, j'ai des problèmes. Prends ton téléphone, décroche, appelle-moi, discute. Ouais, mais pour te dire quoi, coach? J'ai besoin d'argent. Bah non, le foot, ça paye pas. Tu fasses quoi? Ça paye pas le foot. Hassan, t'es pas con, tu sais très bien que tu vas pas arriver aujourd'hui, rentrer, mettre tes crampons et ressortir millionnaire. À un moment donné, il faut travailler, Hassan. Ouais, mais là, j'en ai besoin maintenant, coach. On fait comment? Comment ça, on fait comment? Déjà, la première des choses, c'est de reprendre tes affaires, venir avec moi, on va travailler ensemble. On va essayer de trouver une solution. Là, ce que t'es en train de me faire, tu me dis t'as des problèmes familiaux, t'es en train de te recréer un autre problème. Parce que dis-toi une chose, c'est pas en restant ici, au quartier, que tu vas aider ta famille, hein, mon grand. Moi, j'ai des sollicitations d'autres clubs. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise maintenant? Ce jeune, il est pas sérieux? Sollicitations, c'est bien beau les sollicitations, mais si ça paye pas, les sollicitations, t'as ZB là, ça paye pas, je fais comment? Hassan, t'es un grand garçon. T'es un grand garçon, t'es pas con. À ma entreprise, on a été dans le bureau, on a discuté, je t'ai dit Hassan, il va falloir être sérieux, déterminé. On croit en toi, t'as du potentiel et tout. Là, qu'est-ce que tu me fais? On en est même pas à 3 mois, tu me plantes. C'est quoi ça? Moi, je passe pour un clown, moi, parce que nombreux étaient ceux à me dire, ouais, Hassan, c'est toujours le même, il a pas changé, il a pas évolué. J'étais l'un des seuls à croire en toi. Tu peux pas me dire que tu l'as vu. Jusqu'à preuve, je me déplace encore aujourd'hui. Et toi, tu me fais quoi? Ouais, j'ai des problèmes, patati patata. D'accord, je vais bien compagnie à tes problèmes, mais à un moment donné, Hassan, si tu t'aides pas, personne va pouvoir t'aider. C'est gentil, coach, mais là, le foot, c'est pas ma priorité. Ah, c'est pas ta priorité? Bah, heureux de l'entendre, mais oublie pas une chose. Hein. Tu te rappelles, en début de saison, on était dans le bureau, tous les deux, on a échangé. Quand je t'ai fait la présentation, quand t'es revenu au club, on a échangé sur ça. Tu te rappelles l'histoire du train, du fameux train? Ouais, t'avais pas compris. Ouais. Je pense que t'as toujours pas compris, mon grand. Bah, reste sur ça. Et quand tu seras décidé, tu me rappelles, ok? Pourquoi il me parle encore du train? Je prends pas le train. Je suis à pied, ZB. Train. Hassan, c'est pas le coach, ça? Hein? C'est pas le coach, ça? Si, c'est le coach. Il te voulait quoi? Rien, il m'a dit ouais, il y a le président du Barça, il veut que je joue au Barça, tout ça. Mais je dis vas-y, Barcelone c'est trop loin, tu vois. Ah ouais? J'ai pas voulu laisser. Tu sais, on aurait fait une attaque de folie, moi, Dembélé. Bon, je te laisse, moi, je vais aller m'entraîner un peu. Attends. Ouais. Tu t'offres pas? Si, justement, j'ai pris mes affaires de rechange. C'est bien, je suis fier de toi, le sang. Bon, comme le sang, la mif, tu connais, hein? Tout pour la mif. Vas-y, mon renforce. Vas-y, le sang. Oh là, un brave. Baba, tu fais quoi? Kermes oğlum, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'ye mi? Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi, moi, tout seul? Oğlum, l'autre qui va se réveiller. Une fois qu'il y aura l'enquête, avant qu'il parte, il faut mieux que je me barre, d'accord?
j'ai pris ma décision. C'est sur la prison. Voilà. Ben Napcham, Tolga Gitte, San Gideon. Je vais faire quoi tout seul, moi, avec le bois? Oh non. J'ai confiance en toi, allez. Lance-moi là. Allez, Kenny, va. Tu vas pas partir comme ça. Putain, mon homme. Kenny, va. Tu peux m'appeler à cette heure-ci? C'est pas celui-là. Attends, quel téléphone sonne? Putain, j'avais oublié ces States. Vas-y, il va jamais me lâcher celui-là. Allô? Ouais. Dans 20 minutes? Ouais, vas-y. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, ça va jamais se finir. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux te parler. T'es vraiment culotté, Hassan. Après tout ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je te vois avec les meufs au parking en train de rigoler. Quand j'apprends que tu fracasses mon frère. Je sais pas ce que tu lui as fait, la dinguerie là. Mais ton frère, c'est lui qui m'a fait une dégrée avec sa bande. Tu fasses quoi? Je reste là, les bras croisés à rien faire? Non, mais en fait, votre cinéma, il va jamais s'arrêter en fait. Votre guerre. Bref. Moi, je sais, le truc qui t'intéresse, c'est les meufs. Les meufs, je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Ouais, c'est ça. Bon, si, je les connais, mais c'était juste pour un plan. Je voulais qu'elles me rendent service. Pour défoncer ton frère. Pour défoncer ton frère, non, mais... Ton frère, je l'ai rien fait, je l'ai juste défoncé. On l'a pas tiré une balle dans la tête. Mais tu parles de mon frère, là? Non, mais t'as vu ce qu'il m'a fait, ton frère, ou pas? Ouais, je sais, justement. Et ben, voilà. Et du coup, toi, tu vas te venger avec des filles Je me venge pas avec des filles, je dis au... Bref, c'est le plan qu'on a élaboré et... Mohim, c'est du passé. Les filles, j'ai pas de relation avec elles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La dernière fois, t'es arrivé sur le parking, t'as pété ton câble. Normal, trop... je faisais que t'appeler. Ouais, parce qu'au début, j'étais énervé contre toi, je pensais pas t'étais sincère, je pensais que tu t'es foutu de ma gueule. Mais du coup, j'avais le seum de toi. Mais t'es pas sincère. Ben si, moi, je suis sincère, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu souris? Non, t'as souri, là, ça veut dire on fait la paix, trop non. Tard. Mais t'es si. Culotté, hein. Marre de croire que c'est aussi facile, toi. Mais à quelle heure c'est facile? C'est toi, tu rigoles. Je rigole pas. Bah si, tu souris. Non. Si. Non. On fait la paix? Non. Y'a mon frère Hassan. Pars, bon. Pars. Cabine, va à la cabine. Wesh, ça va ou pas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, j'ai pas le droit de venir dire bonjour à ma petite soeur. Si, mais là j'ai du travail. T'as du travail? Oui. T'as zéro client. Si, mais de toute façon j'ai beaucoup de ménage à faire, je dois fermer la boutique. Ouais, attends, vite fait là, je regarde, t'as reçu des nouveaux trucs ou pas? Ouais, il y a deux, trois nouveaux articles. Et la veste, elle est Hani. T'aimes bien? Ouais, je pense que je vais l'essayer. Hein. Je crois qu'il y a plus ta taille. Ouais, non, je suis sûre, il n'y a plus ta taille. Oh, mais je peux quand même essayer celle-là. Non, mais je te les ramènerai à la maison. Tu les essayeras, ce sera mieux. Toi, tu me ramènes à la maison? Oui. Bah, qu'est-ce que t'as, t'es gentil comme ça? J'ai pas le droit d'être gentil avec mon frère. Si, je fais ça bah... pour toi, hein. Ok, bah vas-y, de toute façon, j'avais la flemme, mon gars. Bon, vas-y, alors, on fait comme ça. C'est bon? Vas-y, tarde pas, hein. Pas non, pitié. T'inquiète, non, j'en ai pas pour longtemps. Oh, t'allais te faire défoncer. J'ai la peur de ma vie. Et mais attends, il a dit quoi avant de partir? Fais pas de bêtises. Tu fais des bêtises? Non, tu fais pas de bêtises. C'est toi qui fais des bêtises. Tu parles à un garçon? Non. Si, tu parles avec moi? Pas du tout. Si, tu parles, tu fais des bêtises. Si, tu fais des bêtises. Je te boude. Ah, tu me boudes encore? Oui. Bref, on verra, Hassan.
Ah, on passe de je te boude et on verra. Bah, c'est bien. Non, c'est bon, je reste sur le on verra. C'est bon? Ouais. On verra. Ouais, on verra. Ok, bah je t'appelle alors. Et on verra ça aussi. Maintenant que je suis là, tu voulais me parler de quoi? Oh, ici, c'est lui qui pose des questions. Écoute, je vais être clair avec toi. On va passer à un niveau supérieur. Un niveau supérieur? J'ai une grosse livraison. Et tu vas la faire. Attends, mais de quel genre de livraison tu veux me parler là? Tu m'as dit que tu voulais plus d'argent. Pour ça, faut bosser plus. Écoute, si t'as pas les couilles, tu dégages. Tu vois ma grosse paire? Quel père? Attends, quel attends, père. Laisse-le. On verra le jour J s'il a une grosse paire de cojones. Eh, ton truc là, je le fais facilement. Bah écoute, c'est dans 3 jours. Il y a une voiture qui t'attend, rue Kennedy. Garde le téléphone que je t'ai donné, je t'envoie un message dessus. Et t'auras juste à suivre le GPS. Carré. T'inquiète pas, j'ai un plan avec BK. Fais-moi confiance, on vous en parlera. T'inquiète. Moi, y'a qui là? Oh là là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là au quartier? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a rien passé du tout. Avec Hassan, arrête de voir, y'a tout le monde qui parle que de ça au quartier maintenant. Eh, je me suis occupé de lui. Et maintenant, y'a des problèmes avec sa team. C'est ce que tu voulais? On va faire comment maintenant? Mais comment ça, on? Et moi, je m'en bats les couilles de tes problèmes. Eh, tes soucis, c'est pas les miens, ok? Ah, parce que maintenant t'as oublié tout ce qu'il a fait à ta sœur. Je t'ai dit, parle pas de ma sœur. Tu vas le comprendre ça ou pas? Je crois que t'as oublié un truc, hein. Moi de base, je suis de ton côté. On a les mêmes problèmes, je te rappelle. Même problème? Mais moi j'ai pas tes problèmes, ma pote. Eh, tu crois que tu vas venir ici me parler tout le temps? Eh, t'as envie de parler? Va voir un psy, ma gueule. Eh, de base, je suis de ton côté. Je suis venue pour t'aider en fait. Mais quelle m'aider? Tu crois que j'ai besoin de ton aide ou quoi? Mais toi t'es une ouf. C'est quoi, y a pas de soucis, d'accord? Ouais, ouais. Et maintenant, gère tes problèmes, gère les miens. Pas de soucis. Crois-moi, tu vas le regretter. Ouais, aussi, ouais, d'accord? Okay. Eh, bonne soirée. Bonne soirée. Ça va quoi? Je sens. Christian. Il est là. Tu fais quoi ici? Je voulais te parler, frérot. Bah ouais. Vas-y, parle-moi. Tu parles avec mon frère en ce moment? Bien sûr, je parle avec tout le temps, ma gueule. C'est mon rêve, t'es sérieux? Non, mais parler. T'as rien dit? Et tu me dis quoi? Il y a une meuf. Dis, on voudrait qu'il y ait une meuf. Non, non, c'est pas ça, frérot. Si, 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 c'est ça. Ah, je connais ta tête, ma gueule, il y a une meuf. Non, pas du tout. C'est Lia. Ouais. C'est Lia. Tu sais que c'est pas ça? C'est pas Célia? Non, c'est pas ça du tout. C'est quoi alors? C'est ça, tu me fais flipper là. Et puis grave. Quoi? Non, je te parle ça. Là, tu me fais monter. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Mon ref, il bigrave. Je l'ai vu, il était à la ZUP en train de bigrave. Et voilà, tu parles sérieux là? Voilà. Tu me racontes, t'es gentil bigrave, mais t'es con ou quoi, ma gueule? Il taffe, que tu racontes. Mais il taffe dans quoi? Tu l'as déjà vu travailler? Tu l'as déjà vu à le taf? Ouais. Tu t'en fous? Si, justement, j'ai pris mes affaires de rechange. C'est toi qui a payé tout ça? Ouais. Avec quoi? Avec le travail que j'ai trouvé. Avec ton petit salaire, t'as réussi à payer toutes les dettes là? Pourquoi tu forces sur ça? Mais attends, ma gueule, il y en a plein des gars cheveux longs au quartier sur ses épaules. T'as dû le confondre. Je confonds ta. J'ai grandi avec, je le vois tous les jours, mais je le confonds. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit, mais t'es con ou quoi, ma gueule? C'est pas mais possible. C'est toi qui es con, frère. Et je te dis que c'est lui, je l'ai vu, je lui ai parlé même. Comment ça, tu l'as parlé? Je lui ai parlé, je lui ai dit que s'il te le disait pas, c'est moi qui te le disais. Quoi, tu l'as vu, Bicrave? Je l'ai vu et je lui ai parlé. Tu l'as vu quand? Tu l'as parlé quand? La semaine dernière. La semaine dernière, tu m'as rien dit, ma gueule! Je lui ai dit que s'il te le disait pas, c'est moi qui venais te le dire, je lui ai laissé une chance. Complètement rabat, je me dis.